Ce puits n'a pas l'air très utilisé. Ce support arrondi maintenait la manivelle, mais le puits semble à sec. Aïe ! Le soleil a tellement chauffé ce machin que je m'en brûle les doigts. Aïe ! Le soleil a tellement chauffé ce machin que je m'en brûle les doigts. Le sol est jonché de petits cristaux recouverts de sable et de poussière. Impossible de casser ça à la main. Je devrais pouvoir casser quelques cristaux. C'est bon, j'ai enlevé un morceau de cristal. Du quartz brut. Il aurait pu être plus joli. Je peux échanger ce coupon à la bijouterie de Jamel contre la réparation ou le polissage d'un bijou. Ah, je savais bien que vous reviendriez. Qu'est-ce que Jamel peut faire pour vous, Sidi ? Du cristal, ça vous intéresserait ? Laissez-moi y jeter un coup d'œil, Sidi. Ce n'est pas du cristal. Enfin, pas du bon cristal. On trouve de ce quartz partout dans les montagnes de l'Atlas. Il aurait besoin d'un bon polissage. Quel dommage. À vrai dire, j'espérais le vendre. Si vous le souhaitez, je peux au moins vous le nettoyer. Vous avez gardé le coupon que je vous avais donné ? Oui, le voilà. Dans ce cas, c'est gratuit. Attendez-moi ici, je m'en occupe de suite. Votre quartz, monsieur, il est considérablement plus fin. Croyez dans le toucher subtil de Jamel. Merci, Jamel. Je retourne me balader en ville. À bientôt, Sidi. Une fois travaillé, le quartz capture vraiment la lumière. Ah, le quartz est exactement à la bonne taille. La lumière du soleil se rétracte, se réfracte, bref, forme un rayon lumineux à travers le cristal.
C'est incroyable comme il est aisé de régler ses problèmes en mettant le feu. Le gendarme adore cette voiture. Je pourrais peut-être mettre la main sur le tampon pendant qu'il s'agitera devant l'incendie. Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Au feu ! Il y a le feu ! Quoi ? Nom de Dieu ! La voiture ! Sacrebleu ! On ne devrait jamais faire confiance aux enfants dans ce pays. Je dois enlever ce truc ! Professeur Hayes ? Oui ? Qu'y a-t-il ? J'ai fait diversion, mais je ne peux pas bouger d'ici sans être repéré. Je vois. Une diversion, pourquoi faire, exactement ? Du genre larcin qualifié sur la personne du gendarme ? Oui, il y a un téléphone, un tampon et un encrier. Il me faut le tampon. Vous pouvez l'atteindre ? Non, je ne crois pas. Bon, réfléchis, Fenton, réfléchis. Professeur, essayez d'attirer le tampon à vous avec ça. D'accord. Ça a fonctionné. Et voilà le tampon. Je vous rends la tige tout de suite. Bien joué. Et hop, un formulaire tamponné de plus. Et voilà le travail. Avec un peu de chance, Lacoste nous restituera les affaires maintenant. Voilà, professeur. Vous pensez pouvoir remettre le tampon sur la table ? Je vais devoir le lancer, mais ça devrait aller. Bonne chance. Quand le gendarme sera de retour, j'irai voir Lacoste. Monsieur Lacoste. Oui ? Voici votre formulaire. Ah, bien. Laissez-moi regarder. Bien. Il y a le tampon de la gendarmerie. Ça m'a l'air en ordre, monsieur. Veuillez prendre ce dont vous avez besoin. Je vous remercie du fond du cœur. Les gouttes pour le cœur de Hayes sont enfermées là-dedans. J'ai vos gouttes, professeur. Que Dieu vous garde. Je dois prendre mes gouttes. Prenez ce boîtier, voulez-vous ? Je ne veux pas que les gendarmes me voient avec. Quel est cet instrument dans le boîtier ? Ah, c'est mon détecteur d'or. Un ami physicien l'a conçu pour moi. Il sert à mesurer la proportion d'or contenue dans certains objets à l'aide d'un champ électrique à faible tension. Je m'en sers pour estimer la teneur en or des objets que l'on essaie de me vendre. Prenez-en grand soin. Il est très précieux, vous savez. Pas de problème. C'est vide. Vide, mais joli. L'ornement en or du dessus est très travaillé. On dirait que ça fonctionne. La lumière s'allume quand je l'approche de la boîte. Ce doit être de l'or véritable.
Pourquoi est-ce que je casserais ce machin-là? Ou plutôt, pourquoi je ne casserais pas ce machin-là? Cette petite boule contient au moins un peu d'or. Le détecteur indique que cette boule est en or. Ou du moins, en plaqué or. C'est impossible de suivre le mouvement des gobelets. Je ne suis pas convaincu que ce jeu soit du genre très équitable, de chaque côté de la table. Ah, c'est encore vous. Je savais que vous voudriez retenter votre chance. D'accord. Mais je veux d'abord m'assurer que tout reste bien sur la table. Comment ? Insinuez-vous que je fais quelque chose de malhonnête sous la table avec les gobelets ou la boule ? En clair ? Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien à cacher. Et pour vous prouver que je ne triche pas, je vais vous demander de me prêter un objet de votre choix pour la partie. Il ne doit pas être trop gros et il doit tenir dans un gobelet. Bien, que me proposez-vous? Que diriez-vous de cette boule en or? Ça me va, jouons avec. Mais elle fait doubler la mise de départ. Que chaque participant mette 50 francs. D'accord. C'est parti! Alors, sous quel gobelet se trouve la boule en or? Si vous visez juste, vous remportez 100 francs. Vive la technologie! Le détecteur d'or s'est allumé. La boule en or doit donc se trouver sous le gobelet de droite. Si le détecteur dit vrai, la boule se trouve sous ce gobelet. Verdict, je suis sûr et certain qu'elle se trouve sous le gobelet de droite. Exact, mesdames et messieurs, nous avons un gagnant. C'est mon jour de chance. À n'en point douter. Tenez, voici vos 100 francs. Une petite revanche, ça vous tente? Pourquoi pas? Allez! Je sens que je suis vraiment dans une période faste, là. Excellent! Je double à nouveau la mise. Ça veut dire que l'on doit mettre 100 francs chacun. Si vous gagnez, vous repartez avec 200 francs. Sinon, ça sera moi le vénard. Ça vous va? D'accord. Ça représente une grosse somme, mais je me sens l'âme d'un vainqueur aujourd'hui. Très bien. Je place donc la boule au milieu. Ça me va. N'hésitez surtout pas à compliquer encore les choses. Bien, dites-moi où se trouve la boule. Aucune réaction. La boule en or n'a pas l'air de se trouver sous le gobelet du milieu. C'est bon. La lumière du détecteur s'est allumée. À gauche, sans hésitation. Êtes-vous vraiment sûr? Il s'agit d'une grosse somme, vous savez. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Gobelet de gauche. Comme vous voulez. Par tous les grains de sable du désert, vous avez encore trouvé? Incroyable, n'est-ce pas? Voilà vos 200 francs. Je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Mes femmes me tueront quand elles verront la caisse vide. Vous ne voulez pas essayer de vous rattraper? Non, pas aujourd'hui. Votre chance signerait ma perte. Sans rancune, hein? Bon, eh bien j'y vais. D'accord, inutile de vous souhaiter bonne chance. Ça y est, j'ai enfin l'argent pour la caution. J'ai l'argent pour la caution. Je crois bien que j'étais supposé en faire quelque chose, mais quoi ? Écoutez. Oui? J'ai l'argent pour la caution du professeur Hayes. Tout l'argent? Oui. 200 francs. Très bien. Dans ce cas, monsieur Hayes est un homme libre.
Allez, Hayes, notre caution a été versée. Au revoir. Vous allez bien ? Oui, merci. Partons d'ici. Une longue conversation nous attend. Je suis désolé pour le cadre peu accueillant, mais tant que ce cher monsieur Lacoste sera dans ma boutique, je crains que nous ne puissions aborder les sujets sensibles. Cet endroit est loin d'être adapté. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Mon récit a beau être un petit peu long, je vous assure qu'il est très intéressant. Je n'en doute pas, professeur. Par contre, sachez que je n'ai pas écouté d'histoire depuis des années. Je dois retrouver mon ami. Point barre. J'en suis bien conscient, mais pour cela, vous devez savoir ce que vous recherchez et ce à quoi vous pouvez vous attendre. Je n'ai pas l'habitude de procéder de la sorte, mais ça ne doit pas faire de mal. Mes recherches universitaires se sont d'abord concentrées sur le Tibet. Sa religion, ses secrets et ses légendes me fascinaient depuis mon plus jeune âge. J'en ai donc fait ma spécialité et très vite, j'ai donné des cours à l'université. J'ai même reçu des fonds pour mener des expéditions. J'ai mené ma dernière expédition avec votre ami Yen Wang. Comme vous le savez, nous avons trouvé un moine décédé, des fragments de parchemin et cette pierre. L'œil du dragon. Exactement. Les bouts de cartes restants donnaient des indices sur un monastère légendaire de la vallée de Kembalong. D'après les récits, cette vallée secrète ouvrait la porte de l'immense Shambhala. À cette époque, je savais que les bouddhistes considéraient Shambhala comme un royaume dirigé par des rois éclairés. La croyance ajoute que ces derniers gardaient le plus grand secret du savoir bouddhique. Pour moi, il ne s'agissait ni plus ni moins d'une croyance religieuse. Mais l'idée même que cet endroit puisse véritablement exister me transportait. C'était une occasion unique de faire une découverte spectaculaire. Malheureusement, l'hiver approchant, nous avons dû revoir nos plans et abandonner. Je n'ai jamais eu la chance de reprendre mes recherches. Cependant, j'ai continué à enrichir mes connaissances sur Shambhala. J'ai étudié chacune des sources existantes. J'ai traduit des textes anciens et je suis tombé sur l'image d'un lieu mystérieux au pouvoir indescriptible. Pourriez-vous le décrire ? C'est un lieu ancien qui a une valeur extraordinaire et pas uniquement aux yeux des bouddhistes. D'autres religions et d'autres cultures sont également liées à cet endroit. C'est de là que toutes les questions et toutes les réponses trouvent leur origine. Pour percevoir ce qui maintient le monde uni en son sein le plus intime. Je ne suis pas un grand amateur d'énigmes, professeur. Pourriez-vous être un peu plus clair ? Je ne cherche pas l'illumination, je veux juste savoir où trouver mon ami. Mais vous découvrirez peut-être les deux. Où ? Quand ? Comment ? Comment ? En trouvant Shambhala, bien sûr. Vous ne vous attendez pas à ce que je comprenne ce que vous dites, si ? Vous voulez du concret ? Très bien. Je vais vous en donner. Il s'agit du résultat de mes nombreuses années de recherche. Il y a environ 10 000 ans, une tribu de chasseurs et d'éleveurs découvrit un réseau colossal de grottes dans les montagnes de l'Himalaya. À l'intérieur, leurs facultés intellectuelles prirent des proportions extraordinaires, ce qui leur permit de s'installer dans ces grottes. Ces gens étaient conscients qu'il s'agissait là d'un lieu très spécial. En son centre, ils pouvaient sentir une énergie puissante qui semblait être à l'origine de leur progrès rapide. Pour eux, ce n'était autre qu'un cadeau des dieux. Ils utilisèrent alors leurs dons pour construire des temples souterrains gigantesques. Au fil des générations, une culture prospère émergea. Les sciences, les arts et les techniques architecturales qu'ils développèrent outrepassaient largement notre savoir actuel. Ces personnes, qui développèrent un langage complexe, furent les premières à mettre en place un système d'écriture complet. Grâce à l'énergie en elle-même et les avancées médicales qui s'en suivirent, presque toutes les maladies disparurent et la durée de vie des résidents atteignit des sommets. Et ces grottes correspondent donc à Shambhala ? Oui, j'en suis intimement convaincu. Cela étant dit, appelez-les autrement si cela vous arrange. Je ne sais pas. Même sans le dragon, j'ai l'impression d'entendre un conte. Ah, le dragon... Je pense qu'il ne s'agit que d'un symbole. Voulez-vous entendre la suite ? Je vous écoute. Pour une raison que j'ignore, Shambhala fut abandonné. Qu'a-t-il bien pu se produire ? Pourquoi les gens ont-ils fui ce formidable endroit, si ce n'est à la suite d'une catastrophe ? Vous voulez dire qu'ils se seraient fait attaquer par des dragons ? Si l'on veut, disons que le dragon serait une métaphore de cette catastrophe aussi soudaine que dévastatrice.
Je ne peux, bien sûr, que spéculer sur la nature exacte de l'événement, mais je suis persuadé qu'il est lié à l'énergie du lieu. D'accord. Ils auraient donc quitté Shambhala. Mais pourquoi l'entrée est-elle fermée ? Seuls quelques-uns survécurent à la catastrophe. Ils eurent sans doute de bonnes raisons de garder leur connaissance de Shambhala secrète. Ils formèrent une caste de prêtres et transmirent leur savoir de génération en génération, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Honnêtement, je crois que les nazis les ont tous tués. Non, il y en a d'autres. Afin de conserver leur secret, cette caste de prêtres érigea deux monastères, chacun éloigné de toute zone de civilisation. Le premier monastère fut construit devant la seule entrée aboutissant à Shambhala. Dans la vallée de Kembalung. La plupart des prêtres restèrent dans cette vallée, détenant l'un des deux artefacts qui ouvrent la porte de la cité. Donc vous croyez vraiment que cette salle secrète mène à Shambhala ? Dans ce cas, Richard est déjà... Exactement. Mais s'il y est, peut-il être encore en vie ? Je veux dire, avec la métaphore du dragon ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Nous avons besoin du second artefact, qui se trouve dans l'autre monastère, c'est ça ? Ce n'est qu'une théorie. Les autres prêtres arpentèrent les sommets de l'Himalaya, ce que l'on appelle les horizons perdus, jusqu'à atteindre une région qui appartient désormais à l'Inde. C'est là qu'ils cachèrent le second artefact, dans un temple. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à situer précisément ce temple. Mais nous avons l'œil du dragon. Les gravures du monastère disent qu'ils révèlent l'emplacement du second artefact. Oui, à condition d'avoir la carte du gardien. Seulement, je l'ai longtemps cherché et les seuls indices que j'ai trouvés renvoient à une magnifique carte dessinée en 1513 par Piri Reis, un amiral ottoman. Par exemple, cette carte dépeint les contours sans glace de l'Antarctique. Comme vous le savez, ce continent n'a été découvert qu'en 1820, soit 300 ans plus tard. Comment Piri Reis aurait-il pu savoir à quoi ressemblait l'Antarctique sans glace ? L'amiral, qui avait un don pour les langues, avait écrit quelques notes sur la carte. Il semblerait que ces informations aient provenu de sources remontant à plusieurs milliers d'années qu'il aurait récoltées lors d'un voyage en Extrême-Orient. Aujourd'hui, il ne reste plus de cette carte qu'un tout petit fragment. Qui est entre les mains des nazis. Quoi ? Le nom de l'amiral que vous avez prononcé, Machin Reis, je l'ai déjà entendu. Piri Reis ? Le chef de l'expédition allemande, la comtesse, a parlé d'une carte du musée de Berlin. Elle a mentionné ce nom, Piri Reis. Mon Dieu, c'est formidable ! C'est une chance en or. Si nous pouvons mettre la main sur cette carte avant les nazis, alors... Vous voulez vous rendre à Berlin ? Nous n'avons pas le choix. C'est le seul moyen d'accéder à la carte. Que vous souhaitiez aller en Allemagne, c'est une chose. Mais il y a peu de chances que la carte soit exposée. Comment comptez-vous procéder ? Ce sont les Jeux Olympiques en ce moment. Il nous suffira de passer pour des touristes. Pour le reste, je préfère m'en soucier plus tard. C'est plus amusant. Allez, prenons l'œil et levons le camp. Comme vous voulez. Monsieur Lacoste devrait avoir terminé. Allons-y. Attendez un instant. L'œil du dragon est caché dans l'arrière-boutique. Le voici. Regardez. Il est en parfait état. Comme lorsque nous l'avons trouvé. Parfait. Ne perdons pas de temps. Nous prendrons le prochain train en direction de Casablanca, puis nous embarquerons pour le Portugal ou l'Espagne. Plus il y aura de distance entre les nazis et nous, mieux on se portera. Je me trompe ou vous avez l'habitude d'éviter au maximum les problèmes, jeune homme ? Vous me rappelez ma jeunesse, il y a quelques dizaines d'années. Professeur, couchez-vous ! Laissez-la. Nous avons l'œil. Professeur ? L'en prie. Ne bougez pas. Je vais chercher de l'aide. Ne soyez pas stupide. Suivez-les avant qu'ils s'échappent. Mais vous avez besoin d'un docteur. Non. Écoutez-moi bien. Si l'on vous trouve sur le lieu du crime, vous serez arrêté. Vous ne pouvez plus rien pour moi. Mais faites-le pour vous. Pour les autres. Récupérez
L'œil du dragon. L'avenir repose entre vos mains. Empêchez les nazis d'arriver à Shambhala. Excusez-moi, monsieur. Un télégramme vient d'arriver pour vous. Merci, Huxley. Autre chose ? Non, monsieur. Je me demandais juste... J'ai tout ce qu'il me faut pour le moment. Vous pouvez disposer. Embuscade allemande au monastère, stop. Richard, toujours là-bas, stop. Paddock à la rescousse, stop. Maintenant en Inde. Stop. Envoyé renfort. Stop. Établi à Camp Adelé, à Rangpur. Stop. Nord de l'Inde. Stop. Signé, lieutenant Thomas Finch. Stop. Et ses copains sont entrés dans ce bâtiment. C'est sûrement là qu'elle compte étudier la carte. Ça, pour une coïncidence ? J'ai le même plan. Des affiches et des prospectus sur plusieurs centimètres d'épaisseur. La publicité sur cet appareil photographique est en train de se détacher. L'affiche s'est presque enlevée toute seule. Une publicité pour un appareil photographique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelque chose brille sous la grille. J'adore tout ce qui brille. Ce n'est qu'à une vingtaine de centimètres, mais je n'arrive pas à glisser ma main entre les barreaux. La grille ne bouge pas d'un millimètre, et je n'arrive pas à passer ma main à travers. Les nazis ont disparu à l'intérieur du musée. Je devrais jeter un coup d'œil au musée avant de courir la ville. Des cordes rouges au-dessus de l'entrée. Ça commence mal. Je peux vous aider ? Oui. J'aimerais savoir comment entrer dans le musée. Désolé, monsieur. Le musée ferme plus tôt aujourd'hui.
Pourquoi le musée est-il fermé aujourd'hui? J'ai fait un très long voyage pour voir les œuvres exposées. Eh bien, parfois, durant les Jeux Olympiques, les horaires normaux sont légèrement chamboulés, vous voyez? Une réception est organisée en l'honneur des médaillés d'or. Elle aura lieu ce soir, dans la salle d'exposition de l'étage. Ce qui signifie pour moi heures supplémentaires non rémunérées, cela va de soi. Bref, c'est pour cela que nous fermons plus tôt. Quelle malchance! Vous n'aimez pas le sport? La principale raison de ma venue ici était le musée. La tenue des Jeux n'est que pure coïncidence. J'espère voir quelques-unes de mes idoles ce soir. Tout dépend de qui remportera les médailles d'or. Qu'est-ce qu'ils exposent ici exactement? L'exposition principale concerne le Tibet. Vous voyez cet animal près de la porte? Il s'agit d'une sorte d'énorme mouton des montagnes qui vit dans l'Himalaya, mais son nom m'échappe, ça commence par un P ou un M. C'est un argali. Vous en êtes sûr? Presque sûr. Quoi qu'il en soit, si vous allez à l'étage, vous trouverez toutes sortes de rares artefacts tibétains. Pourriez-vous m'aider à poser ce carton? Merci. Vous me parlez des salles à l'étage. Y en a-t-il d'autres? Oui, aux étages inférieurs. Mais leur accès est interdit au public depuis plus d'un an. Pourquoi cela? Je ne saurais vous le dire. Et y a-t-il une raison particulière qui vous empêche de me le dire? Je l'ignore, tout simplement, et pour tout vous dire, c'est certainement mieux ainsi. Eh bien, vous avez réussi à m'intriguer maintenant. La curiosité est un vilain défaut, vous savez. Tout ce que je sais, c'est que, depuis un moment, personne n'a eu accès au sous-sol du musée, et l'accès aux salles d'exposition a été fermé pour empêcher les visiteurs de s'y retrouver accidentellement. On peut passer à autre chose maintenant. Bien sûr. Quelles épreuves sont au programme de ce soir? À mon avis, le décathlon sera le point fort de la journée, mais l'aviron et l'équitation sont aussi au programme. Minute! J'ai le programme des épreuves dans mon journal. Je n'en ai plus besoin. Tenez, prenez-le. Oh, merci beaucoup. Vous savez qu'une réception a lieu ce soir. Qu'est-ce que je dois faire pour y participer? Oh, c'est simple! Faites un tour au stade et gagnez une médaille d'or! C'est tout! Non, plus sérieusement. À part les médaillés d'or et leur entraîneur, seuls les hommes politiques allemands sont invités. Les autres restent sur le carreau. C'est ce qu'on va voir. Il n'y a pas grand-chose à faire, là. Il n'y a vraiment aucun autre moyen de participer à la réception? Je vous l'ai dit, seuls les médaillés d'or, leur entraîneur et une poignée d'invités d'honneur sont autorisés à entrer dans le musée ce soir. C'est tout. Bon, d'accord. Puis-je me promener un peu dans votre charmante entrée? Bien sûr, tant que vous ne gênez pas le passage. Entendu. Mon inventaire de la boîte donne des produits ménagers entamés, et quelques matériaux de construction. Je vais essayer de me renseigner. Ne me demandez pas pourquoi, mais pourrais-je avoir quelques-unes des choses que contient cette boîte, s'il vous plaît? Vous me demandez si vous pouvez prendre mes affaires comme ça, sans raison? Et moi qui croyais que les Britanniques étaient polis? Cette boîte est remplie de cochonneries. Allez-y, servez-vous. Ce gant est sale et collant. Une publicité pour un appareil photographique. Voyons voir quelles compétitions sont au programme d'aujourd'hui. La dernière épreuve du décathlon aura bientôt lieu. En tête de la course pour la médaille d'or se trouve... Non, incroyable, Glenn Parker, du Royaume-Uni.
Il y a même une photo. Aucun doute, c'est bien le Glenn Parker qui est allé à l'école militaire de Sandhurst avec Richard et moi. À cette époque-là, c'était déjà un athlète de haut niveau. Fantastique. C'est l'occasion rêvée pour accéder à la réception du musée. Je n'ai qu'à demander à Glenn de me faire entrer. Il peut peut-être me faire passer pour son entraîneur. Pas de temps à perdre, je dois aller au stade. Glenn doit être en train de s'y échauffer. Du papier de verre. Comment se retrouve l'Argali ? À ce stade, on peut parler de harcèlement. Tu me suis partout. Tu disparais pour réapparaître au moment le moins opportun. Oh, méchant Argali, méchant. Je n'ai pas le souvenir que le dernier avait une barbe aussi fournie. Cette porte n'a que ses grosses poignées rondes d'intéressant. Et encore, ça ne me rend pas extatique. Une grosse poignée de porte. Dans le temps, elle devait être rouge, mais la peinture est partie. Je ne m'attirerai pas d'ennui si je laisse la porte ouverte. La peinture rouge est écaillée sur les poignées. Elle a connu des jours meilleurs. Une poubelle. Voyons voir. Je pourrais peut-être dégoter des bidules intéressants. Oh zut, le couvercle s'est détaché. Hop, dans la poche. Jackpot. Il y a tout un tas de détritus fort intéressants là-dedans. Un goulot cassé. Ce n'est pas l'arme typique du parfait gentleman, mais jusqu'ici, cela ne m'a pas posé de problème. Un bouquet de fleurs séchées, emballé avec du fil de fer de fleuriste. Je vais récupérer le fil. Un bout de fil de fer de fleuriste. Résistant, flexible, tout comme moi. Le guichet est fermé. Il époussette le mur.